c'est moi que tu appelles? T'as besoin d'aide? J'ai rien contre les parias, moi, tu sais. Mais j'ai pas le droit de te parler, je pourrais avoir des problèmes. Je vois personne d'autre qui pourrait t'aider. Tu as raison. Pardon, je voulais pas être impolie. Mon frère avait été banni, mais sa peine est terminée. Il aurait dû rentrer, mais il l'a pas fait. Il y a du sang partout dans son campement. Il y avait du sang au campement de ton frère, c'est ça? Les braves sont allés à sa recherche et c'est ce qu'ils ont trouvé. Je pense sans cesse à ce qui a pu lui arriver. Est-ce qu'il est vraiment mort? Ou seulement blessé? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Cette incertitude, ça me tue. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tous les jours, je faisais une marque au mur. Je savais que la peine de Brom était terminée. Depuis, j'en ai fait 3. Et il n'est toujours pas là. J'ai supplié les matriarches d'envoyer des braves à sa recherche, mais ils n'ont trouvé qu'un campement souillé de sang. D'après les braves, il est mort. Mais je veux en être sûre, alors je suis partie à sa recherche. Pourquoi ton frère a été banni? Brom a toujours été différent. Un peu bizarre. L'un des chasseurs était cruel et l'embêtait tout le temps. Je me suis absentée 1 heure. Le chasseur est venu le tourmenter, mais cette fois-là, Brom s'est rebellé et lui a fendu le crâne avec une pierre. Les esprits le lui avaient ordonné, à ce qu'il a dit. Les murmures des oubliés. Ça lui a coûté 10 ans. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Ce sont qui, ces oubliés? La toute mère maudit les impies qui ne veulent pas se repentir et les exclut de sa mémoire éternelle. Les oubliés sont ces esprits perdus. Brom affirmait qu'il lui parlait, qu'il lui donnait des ordres. C'était un tel fardeau pour lui et je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai? Laisse-moi t'accompagner. Je t'embêterai pas, je saurai me faire discrète. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie, trouve-le. Je l'accueille. De le regretter.
Le campement de Brom. Occupons-nous de ces veilleurs. Je peux prendre l'avantage. Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Cette trace de sang s'éloigne du campement. Qui est ce couteau ? Quelqu'un aurait attaqué Brom avec ? D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Là, un seau. On aurait apporté le sang au campement ? Les traces de sang s'arrêtent là. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. Les bottes vont être humides. Thank you.
C'est bizarre. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier? Si Brom a fait ça, c'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Fabrique ces charognardes. On dirait. Celui que je piste ne lui a laissé aucune chance. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. Cette réserve a été pillée. Bon, finissons-en. A été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y avait dans la réserve? Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite? Avant de lui faire du mal. Non, je n'écoute pas. Vous devez remettre.
vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Je ne crie pas. Je sais que tu sais écouter. Alors écoute-moi comme tu écouterais les autres voix. Ils disent qu'il ne faut pas t'écouter. Mais Olara disait qu'il fallait toujours, toujours écouter les vraies personnes. D'accord. Je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la toute mère. Leur voix me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom, tu es vivant. Béni soit la toute mère. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 ma sœur. Je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire? Oui, comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leur murmure, ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la Toute Mère. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la Toute Mère t'accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix.